Christian. Et qui est Christian? Allez, pour Sylvain Floch, voilà, c'était à prévoir et joli gars qui vient à l'intérieur. Pas mal, pas mal, ça. Ouais, Sylvain Floch, Johnny, donc qui rétablit parfaitement, voilà, c'est bien fait, tout le monde est bien passé là dans le virage numéro 1, mais bien, bien à l'intérieur, à l'extérieur pour Julien Caron avec la voiture numéro 168, tout le monde se place et c'est là qu'on va pouvoir commencer déjà à attaquer. Sont ses différents adversaires, c'est le cas de Julien Caron qui fait tout à l'extérieur dans le virage numéro 3. Sylvain Floch en position de leader pour le premier tour. Johnny Gain en seconde position avec la voiture numéro 142. Et Romuald et Anthony Le Bernier, pardon, qui profite d'une bonne position dans le départ. Elle est restée parfaitement linéaire. Et Anthony Le Bernier, avec sa voiture 137, eh bien, il est là dans les rôles depuis ce matin. Julien Caron en quatrième position avec la voiture numéro 168. En cinquième position avec la voiture numéro 285, les deux tours effectués, la piste va commencer à peut-être mieux adhérer pour les pilotes. Les axes filas sont en fonction pour certains. Samuel Bauchet en sixième position avec la voiture numéro 143. Et Johnny Gain qui essaye de se rapprocher de Sylvain Floch, d'aller peut-être faire voir dans les miroirs qu'on est là. Alors peut-être tout en glisse, hein, peut-être pour Johnny Gain, non. Une trajectoire beaucoup plus courte pour la méga tranchée jaune. Au nord. Julien Caron toujours. L'inspiration d'Anthony Le Bernier en quatrième position. Ce virage numéro 3 qui saute un peu encore sur l'intérieur. Didier Choulou qui vient de passer devant nous. Samuel Bauchet qui est au ralenti. Samuel Bauchet, c'est terminé. Allez, attention, parce qu'on va revenir sur le trio là, avec Johnny Gain, Anthony Le Bernier, Julien Caron. L'histoire du vélo, c'était pas mieux. Il va y avoir des attaques. Non, il n'y aura pas d'attaque. On est resté dans les mêmes positions. Je crois qu'on est assuré, hein, pour pas casser pour les pilotes. Les quatre premiers là savent qu'ils sont en qualification pour la finale. On n'a pas pris de risque.